Première fois sur une GSX-R alors, hein. On va prendre 300, hein. On va prendre 330 même. On va se retrouver tous les deux au placard, c'est tout ce qui va se passer. Tu sais que pour moi ce sera pas la première fois, donc voilà. Putain, elle est encore plus lente que d'habitude ou c'est moi qui suis trop pressé de rouler là? Qu'est-ce qui se passe? Allez! Bon les frérot, ça fait combien de temps que j'ai pas pris la moto là, sans déconner? Ça fait archi longtemps, ça va faire depuis 2020 les gars. Ça fait depuis, avant que je parte rendre visite à ma famille en France. Donc ça fait depuis 3 mois les gars, quasiment, puisqu'on est à la fin février là. Et je vais être le seul connard en moto là, c'est sûr frérot. Parce que là, ça, il s'est à peine arrêté de neiger. Là c'est le premier jour où vraiment j'ai l'impression que c'est assez sec sur, au sol. Bon il fait 2 degrés tu vois, mais au moins il neige pas. Donc il neige pas autant d'habitude, mais là il a vraiment beaucoup neigé. Enfin j'ai discuté un peu avec des doigts noirs. Et apparemment ça faisait quelques années qu'il avait pas neigé comme ça tu vois, donc... Ça c'est stylé mon gars, Jack, c'est en train d'être arrosé mais pas du tout, c'est une sorte de brume. Pas mal. Bon j'aime bien l'effet, je valide. Oh le sidecar mon gars. Sympa. Et pas tout jeune son side. Hein. Bon la famille, je viens de finir ce petit shooting. Franchement j'ai trouvé ce petit spot vraiment pas mal. J'aimerais trop aller tu vois sur ce pont là-bas, mais c'est pour mettre le CBR en plein milieu comme un connard, mais regarde tous les vélos, c'est juste impossible quoi. Par contre c'est sympa ici, franchement c'est tout calme. Non c'est sympa. C'est sympa comme ville quand même, Copenhague. Le seul truc c'est qu'il fait trop froid ici, hein. C'est incroyable. Par contre quand il fait beau comme ça, tu vois, enfin le sol il est vraiment éclatant. Ça fait zizir. Je sais pas ce que vous en pensez de cet endroit la team. J'aime bien moi. De toute façon dès qu'il y a un petit point d'eau je kiffe. Et encore, hein, franchement, quand ce sera l'été, que je pourrais venir très très tôt le matin, puisque ici je te dis, le soleil il se lève super tôt, il se lève à 4h. Donc comme ça, je pourrais me mettre assister au lever du soleil ici, ça doit être quelque chose en gros. Hein. Faudra se lever tôt, mais à 4h, il n'y aura personne. Et là, je pourrais te faire des photos du turfu. N'hésite pas à me suivre sur Instagram d'ailleurs. C'est là où je poste toutes mes photos de mes petits shoots. On va essayer de voir un peu à quoi on ressemble dans le miroir. On voit, je sais pas si... Moi je me vois à la GoPro, mais enfin la GoPro dans le miroir, je sais pas si toi tu me verras. Donc tu as un gros sac à dos pour le trépied et tout. Je te le présenterai un jour peut-être. What? Do you speak English? I don't speak Danish. What did you say? I can't go this direction? Yeah, I can? Ok, ok. Rien compris, moi. Ah, merci. Ah, ok. Ok. Are you using that or? Yeah? It doesn't work? Ça marche pas, ça marche pas! Ah ouais. Et on connaît une autre. Bon, premier fail de la journée, on adore. Ceci est un fail, bon. On va voir sur celle d'à côté s'il y a un truc pour faire la pression des pneus. Je sais même pas comment on dit pression des pneus en anglais, frérot. Can we put air in the tire, please? Thank you very much. You're very welcome. Alors, un truc où on peut faire la pression des pneus. Ça marche ou pas, ça? Oh, ça, c'est fatigué aussi, hein? Fatigué ou... Ça marche ou pas? Deux barres. Si, ça marche. Là, tu fais comment? Y'a pas un petit bouton là? Un petit bouton? C'est le bacon. Frère, hein.
Je sais pas, on va voir ce que ça donne ce B1. Ah non, ça marche pas. Je comprends rien, c'est en danois frère. Attends, je vais demander. Excuse me? Can you tell me if it's working the machine? You know, I don't know if it's working. Last time I tried it in my... Yeah? Just tell me if the numbers is changing when I put on... Yeah, okay. Okay? You need 26, no? 2.3. Yeah. Is it moving? Now it's moving. Wait. Because I don't hear the air in the tire, so... Out. It's working, no? No, nothing works. I tried last time, but I don't know how it also mean it. I didn't know how to work. Yeah, it's not working? I have the same motorcycle in... This is 2007, right? 6. 2006. Yeah. The same in Miami, but the orange. Orange? Yeah, yeah. 264 in the maximum. Okay. I've taken 260 for now. Yeah, but ¿quieres que muevo la? No, tranquilo, porque habla español. Un poquito. Ahí va, y a ver. Ahí qué hace, cabeza. No pasa nada. Hay otra agarras esa calle que está acá así. Ok. Derecho. Ok. Derecho. 1000 metros. Ajá. De esta mano, oco. Oco. Ok. Todo recto. No, mira, vení. En la luz. Ajá. Doblas para allá. Ok, para la izquierda. Para la izquierda, sí. Sí. Todo derecho. Ok. Derecho, derecho, derecho. Ok. Pasas flinjo la estación de metro. Ok, ok. Sí, 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 sí. Ah, sí, sí. Yo, ya. Ok. ¿Y funciona? Ok, ok. Vale. Muchas gracias. Thank you very much for your help. Ciao. Yeah. Thank you, my friend. Ouais. Bon, j'ai un pneu quasiment à plat devant. Putain, c'est quoi ces machines de merde, sérieux? Ça serait une fois, je dis pas. Mais là, ça fait deux fois dans la journée, les frères. Ah, j'ai mon pneu, il est bien à plat, ça me. Bon, bah, j'espère que l'autre va marcher, sinon, je suis dans la merde un peu, hein. Bon, est-ce que ça marche? Faut que ça marche, là. Parce que là, j'ai plus d'air dans mon pneu, frérot. Alors. Bon, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Bon, ça c'est carrette. Maintenant, passons à l'arrière. Oh. Ah, mais vite frère. Oh. Eh, oui. Quelle aventure. Et qui oblige, tu connais. Baltringue. Eh ouais mamie, c'est du CBR ça, CBR Zer. Allez The Beat, t'aurais grave eu le temps, sérieux. Oh putain. Oh là 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 là, c'est quoi ça? C'est une Jetta Tuning. C'est la Jetta du Seigneur. Oh, t'es sérieuse toi? 911 Carrera 4S les amis, putain elle est magnifique. Ah, vas-y, on fait la course, frérot. Oh là là, sérieux. C'est de la bombe. Et il a kiffé, lui. Il a kiffé. Le taxi. Mm-hmm.
mettais ton clignotant avant, ça aurait été tip top, Michel. Ça aurait été tip top. Allez, le vert, 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 le vert. Oh, oui, oui, ça, oui, c'est, oui, beau, oui, ça. Oui, ça, c'est beau, ça. Arrêtez de casser les couilles. Vous êtes des magiciens, vous cassez les couilles sans les toucher. Putain, les mecs, ils savent pas mettre leur clignotant, c'est dingue quand même. Pourtant, c'est pas bien compliqué, hein, mais bon. Parce qu'ils ont tous la flemme, ces petits tarbas. Tu commences par là, tu iras à gauche, et tu continueras à gauche et tout droit. Ok. Vas-y, vas-y, tu vas me dire de toute façon. Ouais. Eh, le temps, il est tellement incertain, c'est abusé. Quand je suis parti de Paris, je me disais, je prends ma tenue plus ou pas? Je prends ma tenue plus ou pas? Et moi, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, bah les couilles, j'y vais sans. J'ai jamais vraiment compte. Non, mais j'espère bien parce que je suis en jean, donc j'espère que t'as des bons gants, hein. Mais c'est des gants d'été, ça. C'est mi-saison. Putain, je sais pas comment tu fais, hein. Vas-y. Ça va, t'es bien, hein. Première fois sur une G6R, alors, hein. On va prendre 300, hein. On va prendre 330 même. Je rigole. Je crois que j'ai pas arrêté de lui mettre des petits coups de rond là, bam. Ça va, t'as pas peur? Ça va, t'as pas peur? Par où est-ce que tu me fais passer? Ouais, j'accélère progressivement, hein. J'ai pas envie de te faire peur. J'ai senti partir en arrière à un moment donné là. Là on est au-delà du tennis là, si tu veux. Là on est sur, tu vois, c'est pas du ping-pong là. Enfin je respecte, hein. Non, je respecte pas. C'est ce qui s'appelle arriver avec. Oh putain, il me tue ce mec. Et on s'est toujours pas fait arrêter.